Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky. Je vous retrouve pour une petite vidéo. On avait l'habitude de vous faire des vidéos en mode en voiture quand je rentrais chez moi. Ben, je vous fais exactement la même chose en rentrant chez moi, sauf que là je suis pas en voiture, je suis à pied, mais le format reste le même. L'objectif pour moi c'est plutôt de discuter avec vous et de parler un petit peu d'actualité. Et en l'occurrence là, on va parler d'une actualité très très brûlante puisqu'on va parler de la série The Last of Us dont le troisième épisode a été diffusé hier. Ouh, tu devrais aller tout vite toi. Donc dont le troisième épisode pardon a été diffusé hier sur Amazon Prime. Et franchement, j'avais dit à la suite du premier et du deuxième épisode que ce serait un petit peu compliqué de parler de masterclass pour le moment. Et franchement, la masterclass, je pense qu'on n'en est pas loin. Je pense qu'on n'en est pas loin. La série a mis un level absolument monstrueux. Je trouvais que cet épisode était sûrement le meilleur des trois, incontestablement. Un épisode littéralement bouleversant qui m'a... Oh, je suis désolé, je vais essayer de ne pas spoiler. Ça va être dur hein, malgré tout de ne pas spoiler parce qu'il se passe tellement de choses dans cet épisode qui dénote un petit peu du jeu. On n'a pas forcément eu ça, en tout cas, je ne m'en souviens pas d'avoir eu ces scènes-là dans le jeu. Et j'aurais très très peur de vous spoiler. Donc, on va essayer de tourner autour du pot sans forcément trop en dévoiler. Mais on va faire très très vite, on ne va pas faire très très long puisque je suis en train de marcher. Ça fait une petite demi-heure que je marche, donc là, je commence un petit peu à chercher mon souffle, mais en parlant c'est compliqué, mais on va essayer malgré tout de le faire de manière propre. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Ben, cet épisode est très 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 haut. Déjà on va parler juste du petit flashback qu'on avait eu droit dans l'épisode 1 et l'épisode 2, et je vous avais dit j'espère qu'on aura encore ça. Et bien on l'a eu, mais sous une forme que je ne m'attendais pas. Déjà on a eu un double flashback, le premier flashback avec cette séquence un petit peu choquante des camps, on va dire comme ça, c'est un petit peu ça, les personnes qui étaient emmenées dans les camps de rétention. Alors je sais pas si c'est le bon terme, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Ça c'était assez compliqué parce que deux scènes juxtaposées qui me permettent de voir le résultat final et surtout ce qui s'était passé en amont, assez dur franchement quand on sait ce qui se passe. Voilà. Et le deuxième flashback, c'est l'intégralité de la scène, ou en tout cas de la séquence, puisque l'épisode était intégralement basé sur Bill et Frank. Et ces deux protagonistes-là, voilà, leur scène, leur séquence à eux, est littéralement bouleversante, véritablement bouleversante. Alors attention d'entrée, ceux qui ont vu l'épisode, évidemment, je vous invite à rester le plus courtois possible, parce que j'ai eu vent de quelques dramas sur Twitter et autres réseaux sociaux avec lesquels beaucoup de personnes s'insurgeaient du traitement LGBT, homophobe, etc. Ça par contre c'est interdit, je veux absolument pas entendre quoi que ce soit vis-à-vis de ce genre de choses. Donc ça c'est quelque chose que j'accepterai pas, donc le moindre propos diffamatoire ou autre, hop, ce sera ban de suite. On est là pour discuter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la série, c'est une chose. Après, aborder et insulter les gens avec des propos homophobes, ça, par contre, c'est absolument intolérable, donc je ne l'accepterai pas. Bref, donc vous aurez bien compris, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, que ce sera basé sur ça. Et les deux acteurs principaux qui tiennent, évidemment, les rôles de Bill et Frank sont absolument exceptionnels. Exceptionnels, j'ai trouvé leur prestation. Alors je ne connaissais pas, je suis désolé, excusez-moi, ma culture cinématographique est peut-être un peu faiblarde, mais je ne connaissais pas du tout les acteurs. La seule chose que j'ai retenu, c'est le doublage, je ne me rappelle plus, Jean-Pierre Michel, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui a doublé Franck. Évidemment, sa voix me parle, c'est la voix de Brad Pitt, c'est la voix de Keanu Reeves, donc forcément, quand j'ai vu la VF, j'ai dit « Wow !» Déjà, forcément, la VF te met déjà bien KO technique, donc ça, c'était plutôt pas mal. Et la prestation, évidemment, c'est quand on voit comment se finit l'histoire, c'est absolument bouleversant, et ça m'a véritablement choqué. Alors forcément, j'ai pas trop envie d'en parler, parce que j'aurais véritablement trop, trop peur de spoiler, mais comme je vous l'avais dit en introduction de cette petite vidéo, de mon côté, je suis pas... J'étais pas convaincu qu'il fallait parler de masterclass en parlant de deux épisodes. Le troisième met les choses clairement d'aplomb. Et là où est la force de cette série, je trouve, c'est que à la base, pour ceux qui connaissent le jeu, on est véritablement sur des séquences d'action. Alors forcément, on est sur un jeu, tu peux pas faire forcément trop de gnangnang dans un jeu, on est bien d'accord. Mais ce jeu qui est à la base un jeu d'action
avec des séquences un petit peu horrifiques. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans cet épisode-là. Véritablement, on te pose des personnages, on te les présente, on te les introduit pour finir l'épisode tel qu'il se finit. Mais baser un épisode exclusivement sur ça, quand tu lis le pitch, tu vas te dire, mais c'est pas possible, franchement, on est loin de The Last of Us, c'est quoi l'intérêt? Mais non, ça marche très très bien. Et les acteurs sont absolument resplendissants. Je me suis régalé, j'ai pris une claque aller-retour dans cet épisode. Bon, je dois confesser qu'avec avec ma chère et tendre, on était tout le temps en train de le regarder. Elle me regarde, elle me fait, mais tu pleures? J'ai dit, non, pas du tout, je pleure pas. Je dois avouer que j'ai eu une petite larmichette qui a coulé. Voilà, bon, c'est peut-être mon côté un peu mièvre. Mais pour le reste, franchement, voilà, je le répète au moins depuis 12 fois. Mais c'est très, du très, très, très haut niveau. Excusez-moi. Et concernant le reste, après, voilà, bon, des scènes, il y a une ou deux scènes d'action, si je puis dire, qui permettent de mettre en place les choses ou de voir un petit peu le côté survivaliste de Bill, dont on identifie bien les caractéristiques. Après, voilà, pour le reste, c'est plus cette histoire entre Bill et Frank qui m'a véritablement, encore une fois, je le répète, ça fait 12 fois que je le dis depuis le début de la vidéo, mais littéralement bouleversé, c'était topissime, donc voilà, ouais, je me suis régalé. Après, évidemment, donc, pour reparler de l'épisode en tant que tel, l'épisode est structuré en 3 parties. La première partie, c'est Joël et Ellie. Donc, on sent que Joël commence un petit peu, parce qu'au début, il était très, très renfermé sur lui-même. On voit vraiment que Joël commence un petit peu plus à s'ouvrir. Il explique un petit peu à Ellie la situation, comment c'est gangréné le conflit et comment on a fait en sorte pour arriver à cette pandémie-là. Donc, c'était plutôt intéressant de voir sa vision de la chose. Ensuite, on avait également la deuxième partie qui est l'histoire de Bill et Frank. Donc, cette histoire, encore une fois, qui tient sur 90% de l'épisode et qui marche très très bien, où on voit effectivement la rencontre de Bill et de Frank étalée sur une quinzaine d'années. Donc, ça aussi, ça marche bien. Et la partie finale, on retrouve Joël et Ellie qui rejoignent la maison de Bill. Et là aussi, ça marche plutôt, plutôt pas mal. Où on voit effectivement que clairement, Joël commence à un petit peu s'attacher à Ellie. On le sent. On le sent qu'il y a un petit attachement. Et la lettre qu'a écrite Bill est littéralement là pour donner les consignes. Pour moi, en tout cas, j'interprète de la sorte. Pour donner la consigne à Joël de, ben, voilà, fais ce qu'il faut pour protéger à la base. Je mets entre gros guillemets Tess. Mais véritablement plus pour protéger Ellie. Et franchement, voilà, ça laisse présager vraiment de belles choses à venir. Mais encore une fois, je le répète, la barre a été mise tellement haute dans cet épisode-là que j'ai hâte de voir ce que vont donner les 6 autres épisodes, puisqu'il reste encore 6 épisodes. Cet épisode-là était un épisode qui a duré 73 minutes, je crois, si je dis pas de bêtises. 73 minutes qui sont passées vraiment, mais comme une fusée, je les ai pas vues passer. Et encore une fois, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, faire un épisode sur The Last of Us sans véritablement d'action, sans claqueur, sans trop de scènes sanguinolentes, etc., ben, le pari est relevé, mais de main de maître. On sent véritablement que Neil Druckmann est à la baguette, et clairement, voilà, la suite s'annonce au summum, chose qui est également un bon point, puisque j'en ai pas forcément parlé, mais la saison 2 a été confirmée. On aura droit donc à une saison 2. Et pour tous les grincheux, j'en connais certains qui ont eu tendance à cracher sur la série en disant oui, mais non, ça va être nul à chier, etc., etc. On pouvait être un petit peu, on va dire, dans l'expectative, en attendant véritablement qu'il se passe quelque chose. Mais là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors évidemment, toujours pareil, j'ai pris un petit peu les devants en disant on est sur de la masterclass, je le pense. Est-ce que véritablement ça va être comme ça jusqu'au bout? Je l'espère, parce que si tel est le cas, attention aux Grammy Awards, ça va tomber. Hein. Ça va tomber l'année prochaine, c'est une certitude. La meilleure série dramatique, etc., c'est pas impossible qu'on l'ait devant nos yeux. Évidemment, pour ceux qui l'ont vu, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé. Et l'autre point que je voulais relever, c'est au fur et à mesure que les épisodes passent,
Pedro Pascal, je le trouve tellement charismatique dans ce rôle de Joël. Et Elie Bella Ramsey, et ben franchement, honnêtement, ben tu commences à t'y faire. Si les gens n'ont pas vu la première, le jeu The Last of Us, franchement, Bella Ramsey, ça fait le café, mais sans aucun problème. Et même maintenant, ben, elle a un petit côté un petit peu espiègle, un petit peu sarcastique, qui colle très très bien. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont Bella Ramsey interprète le rôle d'Elie. Franchement, ça marche du tonnerre de Dieu. Donc vraiment hâte de voir la suite. Évidemment, on en reparlera. Là, c'est compliqué. Je suis en train de marcher. Alors pour info, oui, je marche, mais je marche pas tout seul. Je marche avec ça. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, avec mon chien. Et oui, j'ai un petit chien. Donc je le sors de temps en temps. Donc là, sa petite sortie du soir, une petite demi-heure, ça lui fait du bien. Ça fait plus que ça, ça fait quasiment une heure là. Donc voilà. Bon, ben, il s'appelle Max, hein, pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai un petit chien en plus de mes enfants. C'est dans l'autre ordre, mais bon, peu importe, c'est pas important. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi sur cette petite vidéo débrief. Évidemment, le gros du débrief se fera une fois que la saison sera entièrement terminée. Hâte de voir la suite encore une fois. Bon, désolé pour le côté fait à l'arrache, comme d'habitude, hein, je suis en train de marcher, donc forcément, c'est compliqué d'être beaucoup plus exhaustif ou d'avoir toutes les notes parce que j'ai aucune note. Donc forcément, je vous le fais un peu à l'arrache. Mais vous aurez compris un peu la philosophie. La masterclass est en marche. Pour moi, c'est presque acté. Ça m'embête de le dire parce que j'étais le premier à dire le contraire il y a quelques épisodes de ça. Mais franchement, s'ils se tiennent là où ils en sont et qu'ils continuent sur ce rythme-là, ça va tout dévaster sur son passage. Et HBO tient une pépite. Une pépite. Et attention, dernier point, par contre, concernant la saison 2 qui est en préparation, peut-être même en tournage, je pense plus en préparation, j'espère juste que cette saison 2 ne sera pas basée sur The Last of Us Part 2. J'aimerais, parce qu'en plus, il s'est passé beaucoup de temps entre la fin de The Last of Us Part 1 et Part 2. Donc forcément, il y a un laps, une ellipse, qui serait difficile à intégrer avec l'âge de Bella Ramsey. Donc je pense qu'il faudrait absolument que la saison 2 de The Last of Us se cantonne à nous parler de ce qui s'est passé entre l'épisode 1 du jeu et l'épisode 2, et pas basculer directement sur l'épisode 2 avec, pour ceux qui ne l'ont pas fait, les quelques séquences extrêmement dramatiques qu'il y a. Donc s'il vous plaît, ne spoilez pas pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais pour ceux qui l'ont fait, vous voyez de quoi je parle. Donc j'aimerais véritablement que ce que pourrait nous aborder Neil Druckmann dans une future saison 2, ce soit plus l'ellipse qu'il y a eu entre l'épisode 1 et l'épisode 2, parce que je pense que là il y a beaucoup de choses à dire, et ce serait l'occasion aussi de nous présenter des nouveaux personnages. Là, les personnages qu'on a eu la chance de voir, c'était plutôt cool. Ah oui, à noter aussi le retour de Tess. Donc voilà, même les personnages qui malheureusement disparaissent dans la série sont amenés à réapparaître, et si je dis pas de bêtises, Frank risque d'être encore une fois visible. On risque de revoir encore une fois Franck. Voilà. Hein? Donc, je n'en dis pas plus parce que je n'ai pas plus d'informations. La seule chose que je sais, c'est que je suis allé sur la page de Wikipédia de l'acteur et Franck est annoncé pour 4 épisodes. Donc, ça sous-entend que, voilà, Franck va très certainement apparaître au travers de nombreux flashbacks, comme ça peut être le cas avec Tess. Voilà, les amis, j'étais un petit peu long, un petit feu à l'arrache, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode numéro 3. Je ne dirai pas plus pour éviter les spoils. Évitez également, vous, de spoiler. Ce serait dommage que vos copains qui n'ont pas vu soient un petit peu divulgachés, comme on dit. Donc voilà, n'hésitez pas par contre à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode d'une manière générale, sans rentrer dans les spoils. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si ce mode en voiture mais à pied vous a plu. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se dit à très bientôt pour une aventure. Salut à tous.